sais pas si on va pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse un sac ou pas? Oh la vache. Ah mais c'est une catastrophe. Oh on était bien là. Vire-moi ce vent. On va se mettre derrière l'arbre. Je vais vérifier si c'est ça. Mais je crois que c'est ça. On est juste à 50 kilos. C'est pas énorme. Ouais c'est ça. Et elle fatigue. Bon, on va laisser un sac sur la route. Beaucoup de dégâts. Ah ça m'embête ça. Ça m'embête parce que là on était bien parti. Et t'as le tank qui a décidé de se couvrir là. En 14. Donc on va rentrer où il y a l'établi. On n'a pas de nourriture. Bah enfin si on a la viande. On va pouvoir la faire cuire. Après on a les massettes, au pire on mange les massettes. Si on peut, on a plein de massettes tout autour donc on peut en récupérer. C'est pour ça que comme j'ai dit, on garde les massettes de côté. Oh mon dieu! C'est un truc que je déteste le plus dans le jeu. Marcher à contre-vent, ça c'est vraiment vraiment exaspérant en fait. On va passer par là. Ah, on peut un peu dévier sur la droite, donc on n'a pas le vent en pleine face. Faire quand même attention qu'il n'y ait pas d'autres loups qui traînent. Là, normalement, il y a les lapins. Ah, je vois rien. Ah, c'est par là. Ouais, c'est par là. Ah, je vois rien du tout. Galère. Galère sans nom. Ah, lapin. On y est presque. Mais vous voyez que là, 2 heures, ça, c'est quand même plus, c'est quand même mieux. Ça nous permet de prendre un sac et de le transporter à bon port. Est-ce qu'on y est là? Ouais, on y est. Oui, juste devant. On fait la peau, on fait tous les boyaux d'un coup déjà, et après il y a les sacs de viande. C'est quand même vachement pratique hein, qu'ils aient rajouté ça. Avant il n'y avait pas ça. Avant, non. J'ai regardé ma toute première saison il n'y a pas longtemps. J'ai regardé quelques épisodes vite fait. Le jeu a quand même bien évolué. Vraiment bien évolué. Dans ce sens-là. L'interface et tout ça. Bon. Elle est bien fatiguée. On va laisser le sac à l'extérieur. Alors par contre, si je dis pas de bêtises, le sac, même si on le laisse à l'extérieur, je crois qu'il va se dégrader extrêmement vite. Genre là, il est à 73% déjà. Déjà 73%.
Alors, du coup, on n'a pas de nourriture, on va faire ça. Faudra que je me rappelle de... Enfin, que je les mange maintenant, les massettes, mais honnêtement, je crois que ça sert un peu à rien. On a assez de calories pour la nuit et tout, y a pas de problème. On va voir. On va voir ça. Alors, pleine forme. On va en manger deux de plus. Maintenant, il y a de l'eau à faire. Ça va, on a récupéré notre... Oups. On a récupéré notre vie. Alors, je crois qu'il va faire froid. On va ouvrir le sac. On avait dit 73% avant. 66%, vous voyez un peu? Ah, donc ouais, voilà, c'est le double à chaque fois. Il fait à peu près 10 kg et on a à peu près 5 kg de viande. À chaque fois, c'est le double. Voilà. Je vais voir un peu où on est maintenant. Oh, j'ai pas posé les boyaux et la peau d'ours. J'ai complètement oublié. Complètement oublié ça. Alors déjà les boyaux, on a qu'à les mettre là. On fera 10 boyaux ici, c'est très bien. Et après il y a la peau d'ours. Très bien. Genre... Alors comme ça. On est à 29 kilos. On est à 30 kg, ça ferait 40, et si on en prend 2, ça ferait 50, ça ferait quand même bien bien lourd. Est-ce qu'on peut pas balancer des trucs? Parce que je voudrais bien pouvoir prendre 2 sacs en fait. Je voudrais bien pouvoir prendre 2 sacs directement. Ça, on va le déposer aussi. Ça doit être un pur bordel par terre. Bordel. On va déposer les... comment ça s'appelle les bâtons. Là, on devrait pouvoir prendre 2 sacs et toujours avoir le sprint. Donc c'est pour ça. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour les sacs. Ça fait 3 sacs. Ça fait 5 steaks à 1 kg à chaque fois. Par sac. Est-ce qu'on a besoin de plus? Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'intrigue, hein, c'est... Les corbeaux là. Faudrait qu'on voit s'il y a un moyen de monter. Très bizarre. Genre là. Ou alors c'est plus bas. Par contre c'est embêtant là. On a froid.
Faudrait qu'on fasse un feu, faudrait qu'on se réchauffe, mais on n'a pas le temps. C'est quoi là sur la route? Ah bah c'est un sac! C'est un sac. Ah bah tiens, peut-être qu'on va pouvoir faire 3 sacs de plus. Peut-être 3 sacs de plus. On en rapporte 2 et on fera va et vient et puis après on revient pour récupérer celui-là et on se casse. On va voir. Je sais pas combien il y en a exactement. On aurait dû encore s'alléger, j'ai été con. J'aurais dû vraiment déposer le maximum, genre qu'on soit à 20 kilos. C'était vraiment con, je vois pas pourquoi j'ai gardé même l'arc et tout ça. Toujours un peu... Vous savez, la peur qu'on tombe sur un truc inattendu et tout. Mais au final, c'est bête. C'est vraiment bête. Ah, elle marche vite hein, quand on est léger. Attendez. 9, ok. On est à 40 kilos. Ah, on peut prendre un troisième. Non. Ok. Je regardais si les trois étaient à 10 kilos. Par contre, j'aimerais bien descendre. Ouais, mais non, mais j'ai plus rien à... Non, j'ai plus rien. Non, c'est ma faute. J'ai plus rien à vider. À fermer. À jeter, pardon. J'ai plus rien à jeter. C'est ma faute. Donc là, ça nous fait un troisième... 3 sacs en plus. On va peut-être jeter un sac à côté de l'autre, qui est sur la route déjà. Comme ça, on va pas trop perdre en vie. On va pouvoir sprinter. On va peut-être faire ça. Comme ça, on va pouvoir se réchauffer. Et après, il va falloir faire cuire quand même la viande et tout ça. Il va falloir qu'on le fasse assez vite parce qu'on a faim. On a toujours les massettes, hein. On a encore 5 massettes, donc on peut résister, mais il va falloir le faire quand même assez vite. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on va peut-être pas le faire maintenant? Histoire de déjà avoir de la nourriture prête. Genre on fait un feu, on met 2 viandes dessus. On va peut-être faire ça, on met 2 viandes dessus sur le feu. On cuit. Comme ça on mange les 2. Et après on laisse le feu donc tourner. On met 2 viandes et on va rechercher les sacs et on revient. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le temps qu'on fasse un va-et-vient, de toute façon, enfin un retour là, c'est pas une heure. Hein. Une heure c'est pas... C'est une heure pour à chaque fois faire cuire une viande d'ours vu qu'elles sont très grosses. Donc je crois que ça nous laisse le temps d'aller à chaque fois rechercher un sac. On va faire ça, ouais, on va faire ça. Donc là, on arrive, on fait un feu directement. On va mettre directement 2 viandes. Pendant que ça cuit, on va ouvrir le sac qu'on a là dans l'inventaire. Comme ça, les viandes seront prêtes. Une fois que c'est cuit, on mange les 2 viandes. Après, on en remet 2 autres et on fait un aller-retour encore. On fait un aller-retour encore pour... Putain, fait chier.
On va rentrer directement. Enfin, un aller-retour pour récupérer un sac, etc. etc. Je suis en train de regarder si je peux pas virer d'autres choses. Faut faire de l'eau aussi. Enfin, quoique l'eau c'est pas vraiment indispensable pour le moment. Oh yes, la loupe marche. La loupe marche ? Pourtant il fait sombre. Hein. Come on, little fire. Come on. Moi je dis tant mieux, hein, mais je trouve qu'il fait sombre. I've never felt so cold in my life. Allez, 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 allez. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que ces feux ils sont protégés, mais je suis pas complètement sûr. Il est juste là, ce con. Ah oui, merde, il fait pas assez. Oh la vache. Il fait pas assez chaud en fait. Oh, quel idiot. Mais quel abruti! Mais presque en hypothermie. Oh là! J'ai envie de me taper quoi. Ah, j'étais tellement concentré à vouloir faire vite et après avec ce con de loup là qui traîne. Ah, par contre, on est en danger avec ce loup. On va le faire à l'intérieur. Par contre, on est en danger avec ce loup. Parce que là, maintenant, on a notre vie est basse. Tiens, quel con. Ah, j'ai encore la vache. On peut revenir en arrière? Faut qu'on boive aussi. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on peut reset? Est-ce qu'on peut reset? Et ça, ça peut nous coûter la vie. On n'a pas perdu l'hypothermie tellement qu'on a eu froid. On aurait pu en crever, hein. Voilà, donc là on a des steaks à 1 kg. Ça donne soif par contre.
50 minutes, on y va. On a des tisanes, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de l'eau, mais il faut qu'on fasse de l'eau. Quand on reviendra, il faut qu'on fasse de l'eau. Ah mon dieu, toute la vie qu'on a perdu bêtement. Il manquait, je suis sûr qu'il manquait genre 2 degrés, 3 degrés peut-être, un truc comme ça. Je pensais vraiment avec de faire un feu à 2 heures, là ça serait vraiment suffisant. Et puis il y avait le loup qui stressait derrière. Enfin, si ça me stressait pas, mais j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé la température. Mais voilà, faites attention à ça. Là, on a vu que... Encore heureux qu'on a passé seulement une heure. J'aurais dû arrêter, en fait. Quand j'ai vu que je perdais de la vie, bêtement. Mais bon, je me suis dit, ah, ça va s'arranger. Parce qu'en fait, dans ma tête, dans le coin de ma tête, ça me disait que le feu avait pas encore augmenté au maximum, vu qu'on avait mis beaucoup de bois. Vous savez, les degrés mettent un peu de temps à monter. Je me suis dit ça. Je me suis dit ça, en fait. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, ça va, on va avoir chaud. Bah, en fait, pas du tout. Non. Là, on est à 21 kg. Ah, elle est fatiguée. Ouais, on commence déjà... On commence déjà à, à être fatigué. On fait quoi, 3 sacs ou 2 sacs? On va la jouer sécurité, ok? On va la jouer sécurité. Le bois, c'est pas un problème, le bois, le faire un feu et tout ça. On pourra toujours en refaire un. C'est vraiment pas grave. Donc on va la jouer sécurité, on va juste rentrer avec ces 2 sacs. On va pas aller plus loin. On pourrait en prendre un troisième, mais on va avoir froid, on va perdre de la vie encore. On va en profiter pour récupérer un peu de bois aussi. Encore heureux qu'on avait gardé le couteau. Hein. J'étais en train de me dire, parce que sans le couteau, on n'aurait pas pu couper la carcasse, hein, au final. Parce qu'à chaque fois, il propose la scie, mais ça marche pas avec la scie. Je vois pas pourquoi à chaque fois, il propose. On va passer par ce côté-là, voir s'il n'y a pas un peu de... De bois récupérer vite fait. Là, ça serait bien de pouvoir les couper. Genre là, toutes ces branches, là, ces grosses branches. Là, on peut même pas voir, j'ai pas l'âge. Ça nous ferait, je crois, une bûche à chaque fois. Mais je crois que pour les couper, il faudrait une heure. Mais ça serait vraiment bien. Voir 2 bûches. Honnêtement, on a des... Ça se passe bien, ça se passe bien. Juste un peu mon erreur là, mais sinon ça se passe quand même très très bien. Bon, faut faire attention à l'autre con là. Ah, il est là. Ah mon dieu! Putain, mais tu peux pas te casser? On peut faire le tour par là. Il est parti. Où il va? T'es pas en train de me bouffer ma viande? Ah, espèce de saloperie. Ce serait la meilleure, ça. Non, ça va. Il m'a piqué un sac.
On va rentrer. Parce que là je suis mal passé. Parti par contre. Il m'a piqué un sac. Ce con. Il m'a bouffé un sac, je crois. Je savais pas qu'il bouffait les sacs. Ah, par contre, il faut prendre la... Merde, faut prendre la viande. Je peux pas... Sinon, la viande, elle va brûler. Sinon, la viande va brûler. Quelle merde. C'est bon. On va laisser la viande juste autour du feu. Comme ça, il viendra pas. On a combien encore? 6 heures, ça va. 7 heures, très bien. Ah, le truc relou, quoi. C'est marrant, c'est comique des fois. Ce jeu est comique. Voilà. Alors après, les 0-9, je le fais pas, mais on va le faire, je pense. Je crois qu'on va le faire. Parce que du coup, on va pas y retourner pour récupérer d'autres sacs, donc... Ah, il faut de l'eau. Ah merde, je pensais qu'il m'avait pas vu. Ça nous fait quoi? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça va. Faut qu'on fasse de l'eau. Il est à l'intérieur, le faiseau. On l'a laissé à l'intérieur. Merde! Lâche-moi ça. Oh la vache. J'ai pas manqué celle-là. Tiens, je fais pas froid. Ouais non mais elle est super fatiguée, on va pas pouvoir se... On peut peut-être prendre à la limite la viande du loup, mais c'est tout. Allez, à la limite la viande du loup. Ça, on va le déposer. Il reste quoi encore? 16 minutes, on a encore 5 heures. Très bien. Bon, ça se passe bien, ça va. Si j'avais pas eu ma connerie là de rester dans le froid, on serait été top. Mais bon. C'est fait maintenant. Voilà, on est en train de faire de l'eau. On va faire encore ces sacs. Pas trop regardé, genre un 0,9, combien de calories ça donnait. Là c'est 900. On perd 70 calories. Après ça va surtout se compter quand on les fait cuire. Parce que quand on les fait cuire, c'est quoi? C'est 1125.
Je sais plus si on en a fait un 09. On en a cuit un 09 ou pas? Non, je crois pas. Faire attention au temps. Minutes. On commence à avoir du brouillard. On a très quoi, wow, le brouillard. C'est pas prêt. Il nous faut peut-être du bois, encore du bois. Je crois qu'à l'intérieur on a des caisses, non? Bah non en fait. Enfin, on a ça. Ouais, mais il faudrait la hache. Ça va nous prendre quelques heures. Ouais non, on va pas le faire. Ah, l'épisode dure un peu plus longtemps du coup, mais bon. Au moins, comme ça, vous voyez que tout est fait. On a encore 4 heures de feu. Il nous faudra encore un peu plus. C'est pas extrêmement froid. J'ai envie de casser des trucs là, mais bon. Avec la hache. On va peut-être le faire. Si je trouve pas de bois, on va peut-être le faire. Alors après, je crois que, comme j'ai dit, la prochaine fois, on va s'équiper pour partir. Alors, je suis tenté, vu que cet épisode était un peu long, je suis tenté à faire une ellipse, encore une fois, et... genre me préparer pour la nouvelle zone. Je pense que je vais faire ça. Je crois. Parce que cet épisode est un peu long. Sincère. Pas assez long pour le couper en deux, mais un peu plus long que d'habitude. Donc je pense que la prochaine fois, je... enfin, je vais me préparer en tout cas, et la prochaine fois, on sera déjà prêt pour aller à la nouvelle zone. Je crois qu'on va faire ça, c'est le plus intéressant. Parce que sinon, on va repasser encore un épisode, et cette fois, on va pas faire grand-chose. J'essaye de réfléchir à ce qu'il y a... où est-ce qu'on pourrait aller visiter? Ah, quoique peut-être, il y a encore des endroits à visiter. À la limite. Ah, peut-être qu'il y a des endroits encore à visiter. Ah ouais, peut-être. 1040. Ce qu'on fera la prochaine fois, prochain épisode. On va... on va se balader encore à Milton. On va faire un peu le tour de Milton. On va retourner peut-être à la ferme. On va retourner au pont, ici au pont. On va faire le pont aussi. On va aller en dessous parce qu'on n'avait pas trop fouillé en fait la dernière fois. On va peut-être faire ça. C'est tous des 1100. Je regarde si c'est tous des 1100. Voilà, on pourra prendre des viandes comme ça pour partir, ça va être bien. Les massettes, elles sont loin, il faut récupérer les massettes aussi.
Ouais, on va encore continuer le Milton un peu. On a encore quelques endroits à fouiller avant de partir, donc ouais, on fera ça. Bien. Une fois qu'on aura fini le feu et le et la viande, on ira se coucher, ce sera la fin de l'épisode. 40 minutes, je vais voir si on peut déjà pas faire genre créer des. On a le couteau. Genre il faut combien de temps? Fût de flèche. Une heure, ouais, non, on peut pas le faire. Si on pourrait le faire, j'ai le couteau sur moi. J'ai pas le couteau sur moi. Non, me dis pas qu'il est là-dedans. Si, il est là. Trente-neuf minutes, ça va. On va pouvoir faire les flèches directement ici, comme ça on partira avec un bon paquet de flèches. On va pas pouvoir faire tout cuire, hein. Elle va s'évanouir, hein, la petite. Hein. Elle va complètement s'évanouir. On est en train de la pousser à bout là. Là, elle va tomber dans les pommes. Donc je sais pas ce qu'on... On a encore 3 heures de feu. C'était pas censé se passer comme ça. Pas censé se passer comme ça. Encore 4 morceaux de viande. On va pouvoir les faire. Bon bah ça va. Ça va, ça va. On est à fond. On est vraiment à fond là, on est bien. On s'est retapé. Faudra qu'on prenne tout notre matériel qui est par terre. On a des fûts de flèches qui sont prêts. On a la peau de l'ours qui est en train de sécher. On a de la viande, des calories à foison. Donc ouais, la prochaine fois, on fera encore un petit tour de Milton. J'ai envie de voir ici un peu ce qui se passe. En dessous du pont, peut-être on y retournera. Et après, peut-être qu'on ira là, voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Et voilà, ce sera tout. Je pense qu'on aura vraiment fait Milton. Mais il y a ouais, cette zone noire, là, c'est un peu embêtant. Je voudrais voir ça. Je voudrais bien savoir ce qu'il y a, en fait. Et finir là aussi. Voilà. Et après, on part. Voilà. Et après, on part. trente minutes... Encore 2 heures. Passe un peu de temps à réparer. Encore 18 minutes, très bien.
Ah, il y a de l'eau qu'il faut faire. On va pas avoir assez d'eau, on va avoir un problème d'eau. On fera de l'eau la prochaine fois. Deux heures de feu. C'est bon. On va les laisser brûler les torches et on les ramassera, on récupérera le bois. Voilà, c'est bon. Comme ça, les viandes, elles vont être cuites. Elles vont être cuites. Et elles brûleront pas. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. À la prochaine. Ciao, ciao.